Expire, it's freedom, it's falling apart. Turn up and burn your body.
D'accord. 300 personnes qui ont vu ça. 300 personnes. Bonsoir. Salut les confinés. Comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ouais. Et nous sommes au 9e jour de confinement. Quand je me regarde, le 9e jour, comment je suis habillé, je me dis, qu'est-ce que ça sera au 20e? N'y pensons pas. J'espère, team, que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et ce soir, on se retrouve pour un cours de renforcement musculaire. Si vous participez pour la première fois au live, non, ce n'est pas mon habit habituel. Tout simplement, c'est un défi que j'ai relevé. Alors, j'aimerais savoir la personne qui m'a dessiné cette tenue, puisque la stagiaire n'a pas voulu me dire. Elle n'a pas voulu me dire qui c'est qui a voulu m'habiller comme ça. Mais je le saurai. Petit mot à la stagiaire. Voilà. Voilà. Hop. Fiona, quand le confinement sera terminé, ne t'embête pas à venir à la salle. Je viens juste de déchirer ton contrat de stage. Voilà. Donc Fiona, tu es au chômage. Ok la team, donc si je vous disais ce soir renforcement musculaire, vous aurez besoin d'un tapis et d'une serviette. Donc j'espère que cette petite entrée vous a plu. Tiens, on va se la jouer un peu au jury, tiens. On va donner une note de 1 à 10 hein, sur la présentation, la rythmique, la technique. Allez-y, mettez des notes. Annabelle, tu reprends toutes les notes et tu me fais une moyenne et à la fin du cours, tu me dis la moyenne que j'ai eue. Ça va? Donc ce défi tout simplement parce que ben, je n'ai pas atteint les 1000 abonnés sur YouTube, donc du coup ben voilà, c'est des défis, je l'ai annoncé, donc je l'ai accepté et je l'ai fait. Maintenant ça va être dur de faire le cours dans cet accoutrement, mais vous inquiétez pas, je vais le faire. Ok, ce qu'on fait de suite avant de commencer le cours, puisque hier vous m'avez eu, je vous ai dit avant de commencer le cours, on partage pour que les amis puissent suivre. Et vous n'avez pas partagé, il n'y en a que 45 qui ont partagé et je l'ai vu, et vous étiez 300. Donc, on partage et ensuite, on fait le cours. Le temps que vous faites ça, que vous partagez. Partager, c'est juste en bas là. Tu cliques en bas. Juste avant de commencer le cours et que vous partagez, demain soir, on va refaire la même que mardi. Si vous étiez là mardi, on a fait une soirée fitness déconfinée. Spécial fitness, on a commencé à 17h45 avec Laurine avec une Zumba. Vous avez adoré, donc on va faire la même chose. 17h45, Laurine, Zumba. Et ensuite, 18h30, on me retrouve à moi, ici, pour un cardio. Ça va? Donc ce soir, c'est renfo. Demain, c'est cardio. Au moins, on aura vraiment travaillé à tous les niveaux. J'ai parlé de là, j'ai parlé du 9e jour de confinement. Ok, on est bon surtout. On a le tapis, on a la serviette et surtout, j'espère que vous avez la motivation. Ouais? Allez, est-ce que vous avez mis des petites notes là? 19 parce qu'avec le rouge à lèvres, ça aurait été. J'ai dit sur. Ouais, 19 sur 10, c'est pas mal quand même. Allez, je vous laisse. Remplir la bouteille d'eau, récupérer votre tapis. Moi je mets juste le micro, la musique et on y va. C'est parti les confinés. Et ces micros. Tac, on recadre la caméra. Coucou, c'est G-Suite. En belle tenue ce soir. Ok, on y va. Échauffement. Inspirez, montez les mains. Grandissez-vous. Relâchez les abdos. Attrapez les mains. Ouvrez la poitrine. Ok, bras droit, on regarde avant. Bras fléchis ici. Juste le petit rond. En gardant les deux épaules face à la télé. On va bien échauffer le haut du corps, puisqu'il y aura beaucoup de mal en position de planche. Même chose à l'arrière. Dans ton salon, tu as commencé à t'échauffer avec moi, mais par contre, est-ce que tu as partagé avant de commencer? Ouais? Tu as fait profiter les amis, hein? Ok, même chose, on change de bras. Alors regardez bien ma tenue, hein. Jusqu'à la fin du live, je le supprime le live, hein. À l'arrière.
pas de se moquer. Je te vois, Anna, derrière ton écran. Anna, pas de capture d'écran, s'il te plaît. Ok, mets sur les hanches ici, rond de bassin. Derrière, côté, devant, côté, derrière. Tout, 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 tout. Pour ceux qui étaient là hier, ça va les fessiers et les abdos? Ouais. On a bien bossé, on a mis un petit focus sur les fessiers. Hein. Hier soir, même chose de l'autre côté. Hop. Les deux pieds restent ainsi dans le sol. Hein. Du talon à la pointe. Hein. Ok, talon-fesse. Juste ici, un talon-fesse. Hein. En alterné. Ok, maintenant on va échauffer le bas du corps. On change les talons à un genou. Genou ici au cœur de la hanche. Ne regarde pas sous mon short, hein. J'ai rien mis, hein, comme les écossais. Il n'y a rien sous le kit. Ok, reprends les talons fesses. Ok, si tu veux, rajoute-moi une petite flexion. Et reprends une dernière fois les genoux. Option, amène le coude opposé au genou. Ok, reste ici. Pied droit derrière, face. Bas et haut. Garde la belle jambe derrière. Le talon est décollé. Le buste derrière. Bas et haut. Bas et haut. Parfait. Tu gardes cette jambe. Allez. Ça va, ça commence à se réveiller doucement dans le salon, doucement à la maison. Vous avez fait la place, hein. Vous avez poussé le petit chat, le petit chien. On change de jambe. Allez, on a changé de jambe. Hein. Si vous nous rejoignez un coup, on est à la fin de l'échauffement. Il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez prendre avec nous le train en route. Allez. Quatre derniers. Quatre. Trois. Ok, retenez les deux pieds. Côte à côte, squat. Pousse les hanches et reviens. Pousse les hanches et reviens. Continue, continue. Allez, imagine que tu veux t'asseoir sur la chaise et tu remontes. Le buste bien droit et pour ça tu m'engages un peu les abdos. Ok, on change, restez en bas, posez les mains et avancez en planche. Restez de face, je me mets de profil. Ici, regardez le mouvement. Rotation de profil et on change de côté. Vous twistez sur vos pieds, hein, mais vous gardez ici les épaules bien basses. Voilà, tranquillement, tranquillement. Ne va pas chercher trop loin avec quand même. Hein. Arrête ici le mouvement sur la ligne de l'épaule. Allez, continue. Allez, la team. Allez, ce soir, encore une fois, on va attraper le corona sportif, pas le coronavirus. Ok, reste en planche. Stop. Genou altéré. Un genou et l'autre. Travaille à ton rythme. Hein. Les fesses bien sur les genoux et tes mains sont directement sous tes épaules. On a fait 4 derniers. 4. 3. 2. Le dernier, un petit saut. Hop là. Et tu reviens. Tu te redresses avec moi. On est face à la télé. On croise le pied derrière. Regarde. On croise. On descend. On ramène. Et on change de pied. Croise. Descend. Ramène. On appelle cet exercice les fentes croisées. Youhou! Continue. Je vous annonce la team. Lorsque j'arriverai aux 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube, vous faites la même, vous choisissez le déguisement. Mais pour ça, je compte sur vous pour faire un peu de pub. Hein. L'objectif, arriver à lancer les directs de YouTube. Il y aura une meilleure qualité, visio et audio. 15 secondes. Ok, on est sorti de l'échauffement là. Maintenant, n'hésite pas à descendre en pleine amplitude.
Ton genou vient presque toucher le sol. Ok, reste ici en squat. Squat, extension talon. Squat, demi-pointe. Squat, demi-pointe. Tu déploies les talons ici pour aussi commencer à engager les mollets. Encore. Ça va dans ton salon? Ouais, après ça va mettre une note. Juju, non, j'ai pas de perruque, hein. C'est mes vrais cheveux. Encore, 15 secondes. Et tu avais la culpa. Ok les amis, deuxième tour. Pied droit, on croise. Croise. Bas, remonte et replace le pied largeur de tes hanches. Regarde mon bassin, il reste face ici à toi. Hein. Et mon buste aussi bien droit. C'est notre second et dernier tour. Mon ami Jacob a dit aujourd'hui, hein. Merci de s'inquiéter pour lui. Hein. Lui, Jacob, il aime bien observer. Hein. C'est pas un gros sportif le Jaco, hein. Surtout en période de confinement. Ok, on reste en bas, 3 rebonds. 3, 2, 1, remontez, switch. 3, 2, 1, bon, pour son équilibrage. Fixe un point. 3, 2, 1, on continue. Et... Donc vous l'avez compris, la première partie, on cible les jambes, le bas du corps. Je t'en demanderai 4 derniers, 4 derniers. 3, 2, 1, plus que 3. Hey. Plus que 2. Dernière. Et on finit pas comme ça. On finit un squat. Un squat. Donc, squat, décolle les talons. Squat, décolle les talons. Parce que les squats. Ouais, c'est la vie. Allez, plus haut, on a dit qu'on va se faire. Tu finis la série avec nous. Il y en a 8 et c'est terminé. 8, 7. Aujourd'hui, on est mercredi. Et le mercredi, tout. Ok, écoute bien. Le prochain, tu restes en bas. Stop. Pousse en arrière, redresse ton buste, allonge tes bras, mais garde les épaules basses. Si c'est trop dur, remonte un peu, mais bloque avec moi. 8 dernières secondes, s'il te plaît, s'il te plaît. 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1, et relâche. Wow, secoue les jambes, récupère. Ok, tu peux récupérer ton tapis. Donc renforcement musculaire, c'est un renforcement musculaire généralisé. Hein. Donc je vous ai concocté un coup, on va cibler le bas, le haut, sans oublier le centre du corps. Deux exercices à la suite, il y aura deux tours, je te montre. Premier exercice ici, tu seras en position de planche, tu me fais une rotation, tu donnes un coup de pied, tu ramènes et tu reviens en planche. Et bien sûr, tu alternes de l'autre côté. On ne travaille pas avec la musique, chacun travaille à son rythme, mais ne fait un mouvement propre. On y va. Allez, le secret ici, bien faire le mouvement entier. Pivoter dans un premier temps, allonger la jambe, bien vous gagner les abdos. Hein. Si c'est trop dur pour toi, montre une option. Allonge et reviens sur les genoux. Ouais. N'hésite pas à prendre l'option. Allez. Par contre, la main qui reste au sol, la paume de main bien ancrée ici dans le sol. Hein. Ton buste doit être au-dessus. Hein, du tapis, chaque fois ici. Tac. Tac. 15 secondes. Bon. Allez, deux derniers. Vous m'en faites deux. Un.
genoux, même plus large que les épaules, pompe, bas et haut. Alors, sur le travail de pompe ici, plusieurs options s'offrent à toi. Dans un premier temps, tes pieds ne sont pas décollés, hein. Tes pieds restent au sol. Option, rapproche les genoux. Ouais. Sinon, genoux reculés et le bassin dans le vide. Et si tu es challenger comme Belle, il y aura sur demi-point ça. Inspire et souffle le calme, tu repousses 20 secondes. Dix secondes. Allez, on en fait un dernier. Hop, on est en planche. Et c'est là où on doit enchaîner notre deuxième tour. Gagne bien tes abdos, on reprend. Premier mouvement. Rotation, kick, ramène et reviens. Rotation, kick, ramène et reviens. Hop. C'est là, hein. C'est maintenant que c'est important au niveau de la tenue de tes abdos. Constate du corps bien tenu, hein. Un buste monté droit. Hop. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, hein. Annabelle est là pour vous répondre. Ok, on en fait deux derniers, tout le monde. Deux derniers. Un. Et deux. Et on termine en pompe. Gauche, bas et haut. Non, ne lâche pas. Je t'ai vu. Tu t'es arrêté. On est en pompe. Bas et haut. C'est là qu'il faut travailler. Et surtout, n'hésite pas à prendre les options que je viens de te donner. Et oui, prends les options. Ok. Il reste 20 secondes, 20 secondes. Allez, les challengers, on finit sur demi-point pour finir. Allez. Pense bien à souffler toujours dans l'effort, hein, quand tu repousses. 8 secondes. Allez. 7. 6. 5. Les derniers. 4. 3. 2. Un dernier. Et relâchez. Posez les talons, amenez les fesses sur vos talons et étirez les bras loin devant. Ok, déroulez votre dos. Récupérez un peu, n'hésitez pas. Pendant que je parle et que je vous montre le prochain exercice, vous pouvez voir un petit coup. Hein. Ok. Le prochain exercice, je donnerai des options, hein, si jamais vous avez des petits problèmes de genoux. Hein. Vous vous placez ici sur votre tapis. Ouais. Les pieds restent au sol. Je te montre, regarde. On descend ici les fesses sur les talons et on remonte. Ça va? Ça paraît facile, hein. On y va avec moi. Ok, si tu gardes le buste à la main, ça ne marche pas, hein. Ou un tout petit peu, hein. Le but ici, c'est de partir avec ton buste. Wow. Et de remonter à la force de tes quadriceps. Après, à toi de gérer l'intensité, hein. Si c'est trop dur de partir tout le corps en arrière, à ce moment-là, garde un peu ton poids de corps en avant. Continue. Si cet exercice est trop dur, vous te fait mal au genou, tu feras le travail de squat sumo. Ça va? Je récapitule pour ceux qui n'ont pas compris. On reste à genoux. Ouais. Si cet exercice sur les genoux te fait mal, tu fais les squats sumo debout. Tu vois, je pense à tout le monde. Hein. Au moins, personne ne s'arrête et ne nous regarde les bras croisés comme ça. C'est juste, je débarque sur le salon pour te mettre un peu de soleil. Allez, essaie de rester sur mon rythme. Allez. Garde la respiration normale. Hein. Allez, 45 secondes d'exercice. Regarde, pour finir, on fait trois petits rebonds. Regarde.
1, 2, 3, et on remonte. On essaye ça? Bon. 1, 2, 3, et on remonte. Waouh! Allez, encore deux fois. Dernière fois. Et le dernier, on reste en bas. Petit rebond, restez. Restez. Petit rebond, on a fait 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Regarde, fais un grand pas avec un pied de main et attrapez si ton pied pour étirer les quadriceps. De quoi? C'est difficile cette position pour toi? Tu es tombé un peu avant? Ok, challenge de jambes. Il nous reste deux exercices ce soir. Je vous ai dit qu'on allait s'occuper du centre du corps. Et bien voilà, on passe à notre partie abdominaux. Viens avec moi, place-toi sur le dos. Hop là, déroule le dos sur le tapis. Rapproche tes talons entre les fessiers. Place ici les mains au niveau de tes tempes ou derrière la tête. À toi de voir. Crunch, on décolle les épaules et on les repose. On décolle les épaules et on les repose. 1, 2, 2 et 1. On y va tranquille et doucement pour commencer. Premier exercice pour mobiliser les abdos. Hein? Ok, soit tu gardes ce rythme ou sinon tu mets un peu plus de tempo avec moi. Allez, les coudes toujours restent ouverts. Hein? Le menton aussi bien vers et bien dégagé de ta poitrine. Continue. Ça y est, on y est. Abdominaux, on va travailler le centre du corps un peu. Continue. Là, je regarde si tu travailles bien à la maison. Hein. Ouais, ça a l'air pas mal. Petite dédicace à tous les chats, les chiens et les animaux qui nous regardent. Hein. Je sais qu'ils sont nombreux, hein. J'ai pas mal de photos. Hein. Et merci à tous pour vos commentaires et vos photos que vous m'envoyez, ça fait plaisir. Dédicace à ma web TV Béziers qui nous diffuse aussi. Merci de partager ma web TV. Allez, on allonge les bras, on reste à nous. 3, 2, 1 et on pose. 3, 2, 1 et on pose. Continue. Encore. 3, 2, 1. Écoute bien la suite. Sur le crochet, tu restes en haut, inclinaison latérale. Regarde. Inclinaison latérale. C'est-à-dire que tes deux épaules restent décollées du tapis. Tu viens allonger le bras et toucher ton pied. En essayant de garder les lombaires collés sur le tapis. Côté, milieu. Continue. Je te montre juste ici. Assis, ça donne comme ça. Inclinaison. L'objectif, baisser la taille et travailler cette partie qu'on appelle les obliques. Ouais. Et t'as toujours pas reposé les épaules au sol, hein? Ouais, je t'en demande 4 dernières alternées. 4. 3. Allez, plus que 2. 2. Le dernier. Et on reprend. Premier exercice, crunch. Sur les épaules. Bon. Décolle et pose. Décolle et pose. Aïe. Dans le deuxième tour, c'est là que tes abdos brûlent. Oui, c'est là que tu t'accroches. Et que tu restes avec nous. Tu gardes une respiration normale, hein. Ça va l'oxygène dans tes muscles, hein. Ouais. Est-ce que tu le sens là? Est-ce que tu le sens? Ouais. Vive le fitness. Est-ce que tu as préparé l'apéro? Ouais. D'après-cours. Je sais qu'il y en a, c'est très important. Hein. C'est le cours et l'apéro. Hein. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils en mangent plus que ceux qui en dépensent. Quatre derniers. 4. 3. 2. Ok. 3 pulses en haut. Et 3, 2,
Alors, si tu as de la tension dans les cervicales, à ce moment-là, garde les mains derrière la tête sur les trois pulses. Oui, ça, il a fait ça, bien les abdos, hein. Comme si chez toi. Ok, continue. 3, 2, 1. Allez, Vander, on y va, fais les abdos, Vander. Ok, le prochain restant, et on finit avec les inclinaisons. Go, inclinaison, mieux, inclinaison, mieux. Très important, hein. Quand tu travailles, essaye de sentir ici les muscles qui sont engagés. Là, c'est les obliques, là. Allez, on finit. 20 secondes, 20 secondes. Reste avec nous. On commence ensemble. On termine ensemble. 8 secondes. 5. Les deux dernières, 1 et 2. Relâche. Laisse glisser les talons dans le sol. Grandis-toi. Du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Ok, mes amis, il nous reste un petit dernier exercice avant de se quitter. Ok, relâchez. Amenez les genoux à la poitrine. Hop là. Et décollez. Pour le dernier exercice, nous serons ici sur le tapis, mais sur le ventre. Je vous montre les deux mouvements. Premier mouvement ici sur les genoux. Ça sera le même exercice de gainage. Mais, coude, coude. Ouais. Et le deuxième exercice, ce sera une rotation ici en gainage. On a dit renforcement musculaire ou pas ce soir? Ouais. Allez, on fait le pas sur le dernier. On y va. Placez-vous ici sur les coudes. Écoutez bien. Première série, vous ne travaillez qu'avec le bras droit. On y va. Droite, gauche, droite, gauche. Main droite, main gauche. Coude droit, coude gauche. Durant l'exercice, vos épaules doivent rester basses. Les pieds restent dans le sol. Si tu veux... Ok, ami challenger, on peut monter sur demi-pointe. Hein. En essayant au minimum de bouger tes hanches. 4. 3. Plus que 2. 2. Et le dernier, on reste sur les coudes. Deuxième exercice, rotation. On ouvre sur le côté. On ramène. Et de l'autre côté. Hop. Ok, option, tu es toujours sur les genoux. Hein. Quand tu fais une rotation, tu as un genou au sol et l'autre genou qui se décolle. Hein. Chacun travaille à son niveau. Go. Souffle quand tu ouvres et inspire quand tu descends. Et on est pas bien? Ouais. Charlie, t'es pas bien toi en Guadeloupe? Bisous, chachou! 4 derniers, go. 4. 3. À la dernière. 2. Le dernier, le dernier, le dernier. Tu te replaces sur les genoux et main gauche, on y va. Main. Coude, coude. Main. Mais oui, il y a deux séries. Tu vas travailler que d'un seul bras. Tu vas repartir avec un bras musclé et l'autre tout raplapla. Hein? Donc on décline le travail. Hein? Uniquement main gauche au coude gauche qui dirige le mouvement. Les challengers, on peut venir sur demi-pointe. Hein? Et pense bien, tu es dans les dernières secondes de travail. Je t'en demande 4. Go. 4. 3. 2. Et le dernier. 1. On restera sur les coudes. Reste sur les coudes. Exercice. Rotation. Et on twiste. De l'autre côté. Tes deux bras doivent revenir parallèles. Hein. 15 secondes au chrono et tiens fini. Et tu pourras aller dans l'apéro. Allez. Allez les confinés.
tournes bien vos sacs. Stop, bloc, statique. Ok, t'es sur les genoux ou tu restes ici. Les épaules basses. Je te rappelle que le record du monde de gainage, il me semble que c'est 21h. On y va. On essaye de battre le record. Ouais. Quand je vois qu'il n'y a plus personne connectée, j'arrête. Non, je termine. 15 secondes, je blague. Je décompte. 8, 7, 6, 7, reste. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Amenez les fesses sur vos talons. Et tirez ici les talons. Et maintenant. Ok, ton dos. Tu peux te placer face à moi, avec ça. À genoux, bras droit devant, bien plaqué, ton bras contre ton buste. Garde les deux épaules face à l'écran. Amène ici le bras derrière. Bravo les amis, c'était notre séance renforcement musculaire. Donc comme je l'avais promis, on a tout travaillé, hein. Bas du corps, centre du corps et haut du corps. Changez de bras. Port de Marseille, où les bateaux se font bronzer au soleil. Ok, relâchez. Donc on se retrouvera demain. N'oubliez pas, demain une soirée spéciale fitness déconfinée. Pour ceux qui souhaitent faire un cours de Zumba, ça sera à 17h45 avec Laurine. Vous vous connectez sur la page de l'InstaFit ou mon profil. Je partagerai le live de Laurine. Ok. Et ensuite, à 18h30, ça sera avec moi l'Insta Cardio. Donc je vais vous préparer quelque chose de cardio. Repoussez ici le buste. Arrondissez le dos. Éloignez vos omoplates. Ok, relâchez les mains. Faites un grand pas avec votre pied de main. Poussez le bassin en avant. Posez les mains au sol. Agrippez la poignée de pied derrière. Étendez la jambe. Petit roman du sprinter. Ok, relâchez, changez de jambe. Les sportifs, écoutez bien ce que je vais vous dire. À la suite de la séance ici, en commentaire, vous allez un peu me noter les cours que vous aimeriez bien faire chez vous en direct de votre salon. Ouais. On va voir, peut-être qu'ils vont rallonger les jours de confinement. Donc ça risque d'être un peu long. Donc pour ça, ben, je vais essayer d'améliorer et de changer un peu les cours. Donc dites-moi un peu ce que vous voulez ou ce que vous aimeriez bien faire si vous connaissez des cours. Alors des cours, il ne faut pas trop de matériel. Hein. Parce que moi, je veux bien vous faire un cours de vélo. Mais c'est pas sûr que tout le monde tient un vélo à la maison. Hein. Je veux bien vous faire un cours de trampo. C'est pas sûr que tout le monde ait un trampo à la maison. Hein. Le monde entier. Hé Jaco, elle est pour toi cette musique. C'est ta musique. Je suis revenu ici. Aujourd'hui, je peux chanter qui je suis. Ok, reposez le genou derrière. La jambe pour vous redresser. On termine ici debout. C'est plus large que vos épaules. Fléchissez sur la jambe droite. Venez attraper ici votre pied et allongez les bras. Ok, pivotez de profil. Hop là. Ici, fléchissez, jambes allongées et tapez les épaules derrière. Je suis Jack. Je viens juste de me découvrir dans le miroir. J'avais oublié que j'étais habillé comme ça. Changez de jambe. Donc je rappelle en commentaire, mettez-moi un peu les cours que vous aimeriez avoir la semaine prochaine, on va voir un peu si on change le planning. On se concertera avec Nana, avec Fiona pour un peu comment on aménage tout ça. Et demain soir, c'est Zumba avec Lorena et cardio avec moi-même, 18h30 pour le cardio et 17h45 pour la Zumba. Allez, même chose, changez de côté, allez chercher loin ici, tirez la taille, les abdos. Allez, pour finir, prenez le grand expiration, allongez les bras, grandissez-vous, soufflez et relâchez le buste et les bras en avant.
dos dans le bloc, les épaules et les cervicales. Bravo ma team. Et voilà, c'était notre cours de renforcement musculaire. J'espère que ça vous a plu. Pour ma part, j'ai relevé le défi. J'espère que vous avez pris quelques screenshots puisque je vais supprimer le live. Quoique non, tiens, je vais le garder le live. Hein, je vais le garder, je vais assumer jusqu'au bout. Hein. Voilà, j'espère que j'ai été votre petit rayon de soleil de la journée. Ça me fait plaisir tous les soirs d'être avec vous et surtout de lire un peu tous vos commentaires et vos retours. Salut le cousin. Donc je vous souhaite une bonne soirée demain soir. N'oubliez pas, l'instant cardio à 18h30, c'est avec Laurine à 18h45 pour de la Zumba. Demain, il faudra prendre une bouteille d'eau, hein, parce que ça va transpirer, transpirer, transpirer. Lorsque j'atteins les 1000 abonnés sur YouTube, donc relais sur YouTube, allez voir J-Suite, abonnez-vous à ma chaîne et vous aurez tous les directs qu'on a fait. Je fais des montages et je vous les mets. Et en plus, vous avez des bonus. Donc je vais faire des séances filmées que vous aurez en bonus. Mais les bonus, c'est que les abonnés qui pourront les avoir. Donc lorsqu'on a 1000 abonnés, eh bien, c'est pareil, vous choisissez le déguisement et je me déguise. Je vous souhaite une bonne soirée, peut-être un bon apéro. Ouais, je vous dis à demain pour le... Ah, demain on utilisera les deux tableaux puisque demain c'est l'anniversaire des deux chiffres. C'est le 10e jour de confinement. Bonne soirée la team. Jaco, Jaco Fitness. Alors lui, je vous assure, il n'a pas transpiré. Melinda, bonne soirée à tous. J'espère que vous êtes venus, hein. Surtout à Nashman. Bisous, maman.